إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات شيخ فخير شيخ سور ان إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Que la paix soit sur vous. Un jour, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il est sorti dans l'obscurité de la nuit. وكانت ليلة شديدة الظلمة في ليلة من الليالي خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت ليلة شديدة الظلمة La nuit elle était noire, très sombre. Ici, alhamdulillah, on a les lampadaires, c'est assez éclairé, mais après une certaine heure, vous allez juste à côté, à Fâche-Tuminil, tout est éteint. De loin, on ne voit pas les visages. C'est exactement la situation dans laquelle Sayyidina Omar il s'est retrouvé, رضي الله عنه. Et lors de sa sortie, il a rencontré quoi ? Un convoi. Des gens qui étaient sur leur monture et qui allaient d'un point A à un point B. Il leur a posé une question. Encore une fois, ils ne voient pas les visages. Il leur dit « Min ayna rakbu ?» Il vient d'où ce convoi ? Je veux dire, vous êtes qui ? D'où est-ce qu'il vient ce convoi ? فَأَجَابَهُ رَجُلٌ فِي وَسَطِ الرَّكْبِ Quelqu'un, un homme, qui était au milieu de ce convoi, bien sûr, on ne voit toujours pas son visage, il lui répond. Il lui dit « Min al-fajji al-aniq » C'est quoi cette réponse ? Sayyidina Omar, ça l'interpelle. Il lui dit « Wa ila ayna turidun ?» Où est-ce que vous allez ? Le même homme lui répond « Al-bayt al-atiq » La vieille maison, il parle de la Mecque. Sayyidina Omar, il réfléchit, radiyallahu anhu, il dit « Al-fajj al-aniq »« Wal-bayt al-atiq » C'est quoi ces mots ? C'est des mots du Coran. Il dit dans son cœur « Wallahi inna fi al-rakbi la'alima » Il dit « Par Allah, parmi eux, il y a un grand savant. » Et il va les questionner plusieurs questions, de loin toujours. En tout cas, une distance assez lointaine pour qu'ils ne puissent pas savoir de qui il s'agit. Et Sayyidina Omar, la première question qu'il leur pose, c'est quoi ? Regardez le comportement. Il n'a pas dit « Tu viens d'où ? T'habites où ?» Il les questionne sur leur compréhension du Coran. Il leur dit « Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam » Il leur dit « C'est quoi le verset le plus sacré du Coran ?» Et l'homme, il lui répond quoi ?« Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum » Vous connaissez le verset, ayat al-kursi. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, il enchaîne. C'est quoi la deuxième question ?« Ayyu ayatin fi kitabillahi ahkam » C'est quoi le verset le plus sage dans le Coran ? Tout le Coran, il est sage. Mais selon vous, c'est quoi le verset le plus sage ? Le même homme répond Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. L'ay. Sayyidina Omar il enchaîne. Ayyu ayatin fi kitabillahi ajma'. C'est quoi le verset du Coran qui regroupe tout ? Le Coran regroupe tout, il y a tout dans le Coran. Mais c'est quoi le verset du Coran qui regroupe tout ? Sourate Al-Asr, c'est la sourate qui regroupe tout. Comme disent les savants, si Allah il avait descendu une seule sourate, cette sourate-là, elle aurait suffi. D'ailleurs, sourate Al-Asr, c'est l'une des sourates les plus courtes du Coran, mais on peut sortir des livres d'exégèse de cette sourate. Là, on parle d'un verset, ou d'une succession de deux versets. Qu'est-ce que répond le peuple ? L'homme, il dit,
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Ça regroupe tout. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il enchaîne, il dit Ayyu ayatin fi kitabillahi akhwaf. C'est quoi le verset qui fait le plus peur? Un verset, ou plutôt quelques mots, très courts. On peut en faire toute une conférence. Man ya'mal su'an yujza bih. Sayyidina Omar dit Ayyu ayatin fi kitabillahi arja. C'est quoi le verset du Coran qui donne le plus de l'espoir? Vous connaissez le verset. L'homme répond قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sayyidina Omar, il entend ça, il leur pose une dernière question. Il leur dit quoi? أَفِيكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ. Est-ce que parmi vous, il y a عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ? فَقَالَ الْقَوْمُ اللَّهُمَّ نَعَمْ اللَّهُمَّ نَعَمْ اللَّهُمَّ نَعَمْ. Le convoi, les gens du convoi, ils répondent « On témoigne que oui, on témoigne que oui, on témoigne que oui. » Sayyidina Omar ibn al-Khattab, il l'a reconnu, Abdullah ibn Mas'ud, comment? Par sa compréhension du Coran. Ça veut dire que les gens, ils le connaissent pour son Coran. Imaginez comment il est connu avec son Coran chez Allah. Et toi, mon frère, ma sœur, c'est quoi ta compréhension du Coran? Comment les gens, ils te connaissent par rapport à ton rapport avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi après 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, on a le muezzin, un de ceux qui font l'appel à la prière ici, Allah mubarak, il vient de faire l'appel à la prière, 90 ans. Qu'Allah nous le préserve. Je dis un parmi les muezzin parce que en ce jour de vendredi, je suis obligé d'avoir une pensée pour l'un de nos frères également qui nous a quittés récemment, rahimahullah ta'ala, Sheikh Moussaoui. Rahimallah, qu'Allah ait une pensée pour lui est mieux, une invocation. Qu'Allah élargisse sa tombe et fasse en sorte que sa tombe, à Sheikh Namoussaoui, ce soit l'un des jardins du paradis. Qulou amin. Et qu'il puisse, Allah subhanahu wa ta'ala, le ressusciter, yom al-qiyama, aux côtés de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. C'est quoi notre rapport au Coran? Pourquoi après 80, 90 ans, 20 ans, pour certains, 15 ans même, on prie avec les mêmes sourates? قل هو الله احد ان اعطيناك الكوثر والعصر صافي 30 ans 40 ans ما خرجتيش من جوز عمه. C'est quoi ton application du Coran au-delà de ton apprentissage? Parce que parfois tu connais mais t'appliques pas, parfois tu connais pas t'appliques. Allahumma barik, c'est bien, faut connaître. Parfois tu connais t'appliques pas. C'est quoi ton rapport avec le Coran? Comment est-ce qu'il vibre ton cœur, afwan, à l'évocation du Coran, l'évocation de la parole d'Allah Jalla wa Ala? Si ce Coran, il est dans ton cœur sera bon. Et quand le cœur est bon, mon frère, ma sœur, tout le corps est bon. Quand le cœur est mauvais, c'est tout le corps qui est mauvais. Il y a un rapport directement entre la sainteté du cœur et l'application, la manifestation de ton cœur dans tes actes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Wa inna min shi'atihi la Ibrahim, idh ja'a rabbahu biqalbin salim, idh qala li abihi wa qawmihi maza ta'budun, a ifkan alihatan dun Allahi turidun, fama dhannukum bi rabbil alamin, a shi'amal ba'daha, fa nadhara nadhratan fin nujum. » Qalbin salim. Vous voyez la différence? Ton cœur, il t'éduque. قُلُوبٌ تَرَبَّتْ عَلَى النَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ أَمَّا قُلُوبُنَا تَرَبَّتْ عَلَى النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ. Des cœurs, un cœur saint qui t'éduque à regarder vers l'au-delà, le paradis, la spiritualité, ce qui t'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres cœurs, chacun comment il se positionne, qui t'appelle à regarder les choses de ce bon monde. Allah y fahamna. Ya ikhwani, al-sa'ad al-haqiqiyya, la réussite, le vrai bonheur, hiya salamatu hadha al-qalbi,
c'est la sainteté du cœur. وَسَلَامَةُ هَذَا الْقَلْبِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِحَقِيقَةِ الْحُبِّ. La sainteté du cœur, tu ne pourras la voir, tu ne pourras la connaître qu'avec quoi ? Qu'avec l'amour véritable, la vérité de l'amour dans ton cœur. فَالْحُبْ فِي الْإِسْلَامِ كَلِمَةٌ شَرْعِيَّةٌ. L'amour en islam, c'est un mot religieux. Et malheureusement, actuellement, dans toutes les civilisations, on l'a transformé cet amour. Le summum dans toutes les civilisations, c'est quoi ? C'est que le maximum de l'amour, le summum de l'amour, c'est l'amour entre un homme et une femme. Ou entre une femme et un homme. Le summum de l'amour, c'est quoi ? C'est un amour véritable pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu aimes Allah, parce que d'une manière théorique, comme on le dit toujours, on aime tous Allah, tu es obligé d'apprendre à le connaître. Et pour apprendre à le connaître, tu es obligé de tisser un lien avec sa noble parole qu'est le Coran al-Karim. Donc chacun, il fait un bilan. Peu importe ton âge, il n'y a pas d'âge. Que tu aies 10 ans ou la 90 ans, c'est la même chose. C'est quoi ton rapport avec le Coran ? Est-ce que tu as une lecture quotidienne du Coran ? Est-ce que tu as une méditation quotidienne du Coran ? Est-ce que lorsque tu mets ça en pratique, ça change ta vie ? Tu appliques le Coran ? C'est quoi ton rapport avec le Coran ? On ne peut pas d'un côté avoir des enfants, leur dire « N'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Papa il t'a parlé, maman elle t'a parlé. » Et t'es vexé quand ton enfant, il se souvient pas de ce que tu lui as dit, il met pas en pratique ce que tu lui as dit, il retient pas ce que tu lui as dit. Toi Allah, depuis que t'es né, il t'a dit. T'as retenu quoi ? T'as mis en pratique quoi ? T'es meilleur envers tes enfants qu'Allah est envers toi ? Impossible. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. J'ai bon espoir. Je sais qu'ici, mashallah, Masjid al-Iman, comme je le dis souvent, vous êtes des musulmans professionnels, mashallah. J'ai bon espoir que votre rapport avec le Coran, hein, il soit régulier, il soit quotidien, et en plus que, après avoir entendu ces propos-là, vous allez, avec la permission d'Allah, renforcer votre lien avec le Coran al-Karim. Très bien. Lorsque tu renforces, afouane, ton lien avec le Coran, les gens vont commencer à te comprendre, à te connaître par ton Coran. À des degrés, à des échelles différentes. Et là, tu vas te devoir d'être un bel ambassadeur d'Allah. Un bel ambassadeur de sa parole. Un bel ambassadeur du Coran. Tu vas devoir le mettre en pratique. Tu vas devoir... Les gens, ils ne vont pas lire le Coran. Alhamdoulilah, ici on est énormément, on est nombreux à Masjid al-Iman. Et dans les autres mosquées, il y a beaucoup de monde qui se déplace pour les prières, pour Jumu'ah. Mais est-ce que vous pensez que c'est que ça les musulmans qu'il y a ici en France ? On fait quoi de nos frères et sœurs qui ne sont pas venus prier aujourd'hui ? Ils sont musulmans aussi. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur permettre de venir la semaine prochaine. Mais si lorsqu'on va aller les voir... On ne va pas être de bons ambassadeurs du Coran. On ne va pas être de bons ambassadeurs d'Allah. On va leur parler que tu n'es pas venu, on va leur parler de l'enfer, de Jahannam, etc., etc. Vous pensez qu'ils vont venir ? Ils ne vont pas venir. J'ai une assise, une fois chaque deux semaines ici dans le Nord, avec des jeunes qui ont vécu un passé difficile, qui étaient pour certains en incarcération, qui étaient pour certains... ils ont eu des périodes de leur vie plutôt compliquées. Et on passe tous dans notre vie par des périodes compliquées. Si tu ne t'en rends pas encore compte, attention, tu risques de t'en rendre compte bientôt. On passe tous par des périodes compliquées. Et moi, il y a une parole qu'un des frères m'a dit, elle m'a fait mal au cœur. Il m'a dit, « Akhi Hicham,
Voilà, ça fait quelques mois, j'ai repris la prière. Et quand je vois, il me dit ça, il est triste. Je me demande ce qui lui arrive. Je dis, comment ça, t'as repris la prière, t'es triste? Il me dit, il y a quelque chose qui me brise le cœur, j'ose pas en parler. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, j'ose pas venir à la mosquée. Je m'étonne. Je dis, Alèche. Il me dit, je suis venu une fois pendant Ramadan. C'est pas ici à Masjid l'Imam. Hein. Il me dit, je suis venu une fois pendant Ramadan. J'ai pas aimé les regards sur moi. J'ai pas aimé comment on s'est comporté avec moi. J'ai pas aimé les critiques que j'ai reçues. Pourquoi tu mets cette tenue-là à la mosquée? Oh, ce maillot de foot-là, haram, pourquoi tu mets ceci? C'est quoi cette coupe? Tu respectes. Il dit, je te comprends, mon frère. Il dit, malheureusement, tu as eu une mauvaise expérience. Lui, à ta place, j'aurais fait la même chose. Bien sûr, c'était une manière après d'arriver à son retour vers jamais. Allah yajazikoum bil khair. Allah subhanahu, c'est bien de faire da'wah. C'est bien de parler aux gens de religion. C'est bien d'appeler les gens à Allah. Bien sûr, on est la meilleure des communautés. Kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous condamnez le blâmable. C'est bien. Mais ça ne doit pas venir sans considérer un autre verset du Coran où Allah il nous explique comment faire da'wah, comment appeler les gens à Allah. T'as une meilleure pédagogie méthodologique, Allah subhanahu wa ta'ala, je pense pas. D'ailleurs, je suis certain que non. Allah il dit quoi dans le Coran? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Appelle les gens à la religion d'Allah avec quoi? Avec la sagesse. C'est quoi la sagesse? أركان الحكمة كما يقول ابن القيم رحمه الله ثلاث العلم والحلم والأنات. Tu veux transmettre, transmets avec sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Trois piliers de la sagesse, comme le dit Ibn al-Qayyim, paix sur lui. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-ilm, la science. Effectivement, pour transmettre, pour appeler les gens là, il faut de la science. Mais ce n'est pas tout. N'oublie pas les deux autres choses. Al-hilm, c'est quoi al-hilm? La douceur. Wal-anat, c'est quoi l'anat? Petit à petit, step by step. Si t'as pas ça, si t'es pas capable de faire cette pédagogie, si t'es pas capable d'utiliser cette méthodologie, tais-toi. Tu vas faire des dégâts. Mais si t'as vu quelque chose sur Sheikh Google, ouais, tel savant, il a dit ça, 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 dire le copier-coller, achite et égaré, achite ceci, achite cela, oh! La graine, elle est peut-être plantée, toi, t'es en train de tout casser. Tu t'adaptes à la personne que t'as en face de toi dans ton discours. Un enfant qui est en CM2, en CM1, tu vas lui parler du théorème de Pythagore qu'on voit en troisième? Il va se dire, je reviens pas au cours, je comprends rien. Ton fils, il sait même pas encore lire l'arabe. Il est en train d'apprendre surat al-Fatiha, il est tout jeune, il vient apprendre de commencer à parler. Tu vas lui apprendre Ahkam Tajwid. Et tu vas le gronder, non, tu t'es trompé là. Etc. Tu vas arriver à rien. Donc qu'on garde cette règle. Un, on appelle les gens à la religion d'Allah avec sagesse. Sinon, on s'abstient. Et gardez une règle dans votre vie, c'est que on s'adapte à la personne. Et j'aime énormément cette phrase qui dit Al-ilm lit talibin. La science, c'est pour les demandeurs de science. Vous, mashallah, vous êtes des musulmans professionnels. Chaque vendredi, vous êtes là, Masjid al-Iman. On peut vous parler du passage dans la tombe, du risque, des châtiments de l'enfer, etc., etc. Vous êtes demandeurs. Vous prenez des cours à l'institut, il y a des jardins du paradis ici à la mosquée. Lorsqu'on se regroupe pour parler de la religion d'Allah, pour apprendre la religion d'Allah, c'est l'un des jardins du paradis. Il y en a au premier étage, des classes remplies. Quand vous vous inscrivez à l'institut, que vous envoyez vos enfants à l'institut, bien sûr, ils sont demandeurs. وَالدَّعْوَ لِلْهَارِبِينَ C'est quoi le haribin? C'est les fuyeurs. Par contre, lorsque tu fais l'appel à la religion d'Allah, tu le fais pour les fuyeurs. Et là, tu adaptes une pédagogie complètement différente. Allah, quand il s'adresse à nous, c'est la pédagogie qu'il utilise. Toutes les sourates du Coran al-Karim, excepté une, sourate Tawbah,
Mis à part cette sourate, toutes les sourates commencent par quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Deux attributs, deux noms d'Allah qui rapportent quoi? Sa miséricorde. Et je finis avec ça. Ar-Rahman. Allah, il se présente, il commence par se présenter à nous, par son attribut, par son nom qui est Ar-Rahman. Ar-Rahman, comme ils disent les savants, ala wazni fa'lan. Ar-Rahman en arabe, ça sonne comme le mot fa'lan. وهذا يفيد الامتلاء. Pour donner un exemple, pour ceux qui comprennent le dialecte arabe, quand un homme, wal'ayadu billah, qu'Allah nous en préserve, il va prendre un verre d'alcool. Qu'Allah nous en préserve. On dit quoi de cet homme? On dit, هذا الرجل شارب خمري. Il a bu un verre d'alcool. Il n'est pas ivre encore. Mais lorsqu'il est plein d'alcool, il est rempli d'alcool, on dit هذا رجل سكران امتأل خمرا. Il est plein d'alcool. Quand quelqu'un il va s'énerver, j'entends Oustad Ben Sliman, il parlait des téléphones, etc. Quelqu'un qui est juste un petit peu énervé, il s'est réveillé, il a oublié de mettre son chargeur à charger. De mettre son téléphone à fond à charger. Il se réveille, il n'a plus de batterie, il est un peu énervé. Il dit quoi? On dit quoi de cet homme? غضب الرجل. L'homme il s'est un petit peu énervé. Mais lorsque tu es pris d'une colère, qu'Allah t'en préserve, vraiment pleine, etc., on dit هذا رجل غضبان امتأل غضبا. Il est plein de colère. Et bien, Ar-Rahman أوسع صفة, c'est l'attribut le plus vaste, c'est le summum de la miséricorde. Et bien, il dit quoi d'autre, Allah, par rapport à cet attribut qu'est Ar-Rahman, quand il parle de son trône? Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de son trône. Quand on parle d'un trône, on pense au roi. Allah, c'est le roi des rois. On pense à la notion de pouvoir, de majesté. Allah, c'est pas cet attribut, cette tribune-là qu'il a choisi. Il a choisi de dire Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Et le trône d'Allah, c'est quoi? C'est la création, la créature la plus vaste. Il n'y a pas plus vaste, il n'y a pas plus grand que le trône d'Allah Azza wa Jal. Et en dessous du trône, il y a quoi? Le kursi, et ensuite, plus bas. Combien il y a de cieux, ciel? Sept. Hafizak Allah, inshallah, réactif. Aïbak. Eh bien, le premier ciel par rapport au deuxième ciel, on dit en arabe comme une bague dans le désert. Ça veut dire quoi comme une bague dans le désert? Il aurait dit à Verouas, ils m'ont dit, monsieur, une bague, vraiment, je dis, c'est une expression. Quand on dit comme une bague dans le désert, ça veut dire que tu prends un avion, tu passes au-dessus du désert, il y a une bague dans le désert, tu ne la vois pas. Donc strictement invisible. Le premier ciel par rapport au deuxième ciel, strictement invisible. Le deuxième ciel par rapport au troisième ciel, strictement invisible. Et ainsi de suite. Le sixième ciel par rapport au septième ciel, strictement invisible. Et les sept cieux, les sept ciels par rapport au trône d'Allah, strictement invisible. Un professeur nous a répété la parole d'un grand savant, et je finis sur ça. Il a dit, Allah s'est établi avec sa miséricorde, son plus vaste attribut, Ar-Rahman, sur sa créature, sa création, le trône, qui est la plus vaste également, de manière à ce que les mondes, écoutez bien, de manière à ce que les mondes soit devenu strictement invisible à côté de son trône, et son trône soit devenu strictement invisible à côté de sa miséricorde. Ar-Rahman. Voilà comment on présente la religion d'Allah aux gens. Par sa miséricorde. Ne faites pas peur aux gens. Allah y fait amna. Deux infos. La première, il y aura, inshallah ta'ala, une salat janaza. Un enfant, une petite fille, un bébé qui est décédée, on va prier sur elle juste après la prière. Enfin, je vous demande de tous rester. Allah jazakum bil khair. On vous demande également des invocations pour un frère qui a fait un AVC très grave. Il se trouve en soins intensifs. Sa famille vous remercie beaucoup. Allahumma rabban nas, adhib al-bas, fashfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. Également des invocations pour un frère, qu'Allah le récompense, qu'Allah accepte de lui, qui a contribué grandement pour Masjid al-Iman. Comment? Il a ramené tout ce qui est carrelage pour refaire le couloir, les salles de bain, l'étage, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui, lui accorde la sincérité et puisse le réunir, le garder parmi nous le plus longtemps possible, awalan, et par la suite le réunir, lui accorder le meilleur dans ce bas monde et dans le meilleur des mondes, celui de l'au-delà. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك صل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله